Le choix entre un traitement d'insémination artificielle ou de fécondation in vitro se fera principalement en fonction des critères médicaux, surtout en fonction de l'âge de la patiente et de sa réserve ovarienne. L'insémination artificielle est un traitement plus naturel puisque la fécondation se fera à l'intérieur du corps de la femme, tandis que dans la FIV, la fécondation et le développement embryonnaire seront contrôlés au sein du laboratoire. Dans tous les cas, la FIV est le traitement qui donnera le plus de chances de réussite, avec un taux de grossesse situé entre 50 et 60% contre 15% pour l'insémination artificielle. Il faudra faire un bilan de fertilité complet afin que le médecin puisse vous guider et vous conseiller le traitement le mieux adapté à votre cas.